Aujourd'hui dans cette vidéo, je teste l'imprimante 3D longueur LK5 Pro. Afin d'être transparent et honnête, je tiens à préciser que c'est un produit que je n'ai pas acheté. Il m'a été généreusement fourni par la marque Longueur en contrepartie de la réalisation d'une vidéo sur ma chaîne YouTube. Curieux depuis un certain temps avec ce genre d'appareil, j'en ai profité pour accepter cette proposition et ainsi continuer à développer mon atelier. Le produit est préassemblé à 90%, ce qui permet avec une connaissance vraiment très limitée de finir la construction de l'imprimante 3D. En effet, l'ensemble des outils sont fournis et vraiment en suivant la notice, en évitant 2-3 pièges, il est très facile en moins d'une heure de finaliser le montage de cette imprimante. La marque insiste sur la structure triangulaire de son produit. Apparemment, celle-ci permet une meilleure rigidité de l'ensemble et du coup une meilleure précision de l'impression. Personnellement, étant novice, j'ai vraiment apprécié la taille de l'écran. En effet, il fait 4,3 pouces, ce qui est quand même assez conséquent, et puis aussi sur sa facilité d'utilisation. Malgré que celui-ci soit en anglais, il est franchement très simple à prendre en main. De plus, l'anglais est un anglais basique. C'est vraiment des mots que l'on a l'habitude de lire dans nos petites notices du quotidien. Assemblage terminé, il faudra bien entendu prendre un petit peu de temps pour régler l'imprimante. C'est très important que celle-ci soit vraiment parfaitement réglée, car cela aura forcément une incidence sur les produits que nous allons réaliser. Pour ma part, j'ai acheté une bobine de filament type PLA. Du coup, pour insérer celle-ci dans la machine, c'est aussi très simple. Il suffit juste de cliquer sur PLA, attendre que l'ensemble se mette à la bonne température et insérer le filament dans le guide. J'avais préalablement fait un petit test avec le filament d'origine. C'est pour cela que la partie violette sort en premier. Et ensuite, dès que mon filament jaune fluo arrive, ça veut dire que la machine est prête à être utilisée. Dans un premier temps, il est conseillé d'utiliser les fichiers d'origine déjà présents sur la carte SD. C'est pour ça que je commence à réaliser le petit cube. Et franchement, dès le départ, honnêtement, je suis scié par la qualité de réalisation. Donc maintenant que cette réalisation est terminée, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et du coup créer ou rechercher des créations qui m'intéressent. Donc là je vais aller vraiment au plus simple parce que déjà je suis débutant et puis qu'il existe plusieurs formats, mais j'ai pris la façon la plus simple pour l'utilisation d'une imprimante 3D. Donc il nous faut un fichier d'un objet en 3D qui aura généralement une extension .stl. Pour trouver celui-ci, initialement il suffit d'aller sur des sites internet qui proposent ce genre de fichier gratuitement. Thingiverse est un des plus connus et du coup j'ai été sur celui-ci. Donc là j'ai commencé à halluciner un petit peu parce que j'ai vu ce que réalisaient les gens avec des imprimantes 3D et surtout avec la création 3D, et là j'ai compris que la seule limite c'était vraiment les idées, parce que franchement il y a de tout. Donc par exemple, si on prend ce genre de produit pour une table MFT ou un établi MFT pour resserrer les pièces, donc c'est vraiment très pratique. Cet objet est en trois parties, il suffira d'imprimer les trois parties et de monter l'ensemble. Donc quand vous avez téléchargé votre fichier sur Thingiverse par exemple, il est au format .stl. Il va falloir le passer au format .gcode pour qu'il puisse être lu par l'imprimante 3D et qu'elle comprenne toutes les caractéristiques
du travail qu'elle va devoir réaliser. Pour cela, il faut utiliser un second logiciel qui est généralement appelé un trancheur. Là, pareil, étant novice, j'ai pris le plus connu, qui est Cura. Important à savoir, ce logiciel est gratuit et multilangue. Donc moi, pour mon atelier, je vais créer un mandrin de centrage pour ma défonceuse, car c'est quelque chose que je n'ai pas et qui franchement pourra m'être très utile. On m'avait préalablement envoyé par mail un fichier au format STL qui avait été trouvé sur Thingiverse. Donc je l'ai ouvert dans Cura et voici comment ça se présente. Et là, il y a vraiment de nombreux paramètres. Pour un novice, au départ, on va faire très très simple. Je peux juste choisir l'épaisseur du profil. Donc c'est la finition. Plus c'est fin, plus c'est bien fini. Et le remplissage. Donc là, c'est assez simple. 0%, il n'y a rien. Et 100%, c'est plein. Donc là, moi, j'ai fait une finition de 0,2 et j'ai demandé un remplissage à 50%. En dessous, on voit l'estimation. 1h38 pour la réalisation. 15 grammes de filament utilisé. Donc voilà, c'est terminé et le résultat est vraiment bluffant. J'ai utilisé 15 grammes d'une bobine de 1 kg qui m'a coûté 20 euros. Donc en faisant une règle de 3 assez rapide, ce mandrin de centrage m'a coûté en filament 30 centimes. Donc ensuite, il y a une deuxième solution, car ça ne s'arrête pas là. La deuxième solution, et là c'est la plus intéressante, c'est de créer nous-mêmes nos éléments 3D à imprimer. Donc là j'utilise le logiciel Fusion 360 qui va me permettre de réaliser un élément 3D. La prise en main est vraiment très très simple je trouve, et assez intuitive. Alors bien sûr au niveau paramétrage, au niveau options, au niveau détails, c'est illimité. Déjà si vous maîtrisez les bases, vous ferez ce que vous voulez. Et après vous pourrez peaufiner un peu. Mais déjà en maîtrisant les bases, on va pouvoir réaliser énormément d'objets en 3D. Pour beaucoup plus d'approfondissement et beaucoup plus de détails, et beaucoup plus de connaissances surtout, je vous conseille d'aller voir le Labo d'Heliox. C'est vraiment une chaîne vraiment très très intéressante dans ce domaine. Donc là je réalise un connecteur pour connecter mon aspirateur Festool à ma lamelleuse Makita. Donc ça y est, j'ai créé mon objet. Je l'enregistre avec l'extension .stl. Donc j'ai mon objet 3D. J'ai juste à l'exporter dans Cura. Et là, comme d'habitude, je redonne les caractéristiques que je souhaite pour envoyer les informations lors de l'impression. Donc là encore, la réalisation est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Franchement, moi qui ne connaissais pas ce domaine, je suis franchement scotché et je me dis que là, je vais pouvoir réaliser des petits accessoires, des petites connectiques, des éléments qui me manquent dans l'atelier ou des fois que s'il me manque quelque chose, je pourrais vraiment le réaliser de façon très 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 simple. Pour terminer, je fais un petit bilan de cette longueur LK5 Pro. Il coûte entre 300 et 350 euros selon les sites. Je vous mettrai des liens en description. Donc les points positifs, le montage 90% préassemblé, c'est vraiment top.
parce que franchement, des fois, tous ces trucs avec tous ces éléments, avec des courroies, des petits moteurs et tout, c'est assez précis. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit prémonté quand on est novice, et là, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Les dimensions de la machine. En fait, on se rend compte que la machine a une dimension assez importante. Elle fait 30 par 30 sur 40, ce qui va permettre de créer des objets assez volumineux finalement. Alors j'ai mis le prix aussi dans les côtés plutôt positifs. Vous allez me dire, bon, t'es sympa, mais toi tu l'as pas payé. Donc, mais le quand j'ai regardé un peu sur internet le prix par rapport à la dimension, par rapport à l'écran, tactile, etc., etc. Et je me suis rendu compte que la fourchette de prix de cette machine était franchement bien placée. Donc la simplicité d'utilisation, ça je trouve que c'est assez important. Parce que quand on n'a pas trop de notions, des fois on hésite à se lancer dans ce genre de truc. Et franchement, j'ai un graveur laser. Le graveur laser, c'est 10 fois plus compliqué. Mais 10 fois plus. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, si vous avez un graveur laser, l'impression 3D, c'est facile. Franchement, c'est simple. J'ai mis la qualité. Alors bien sûr, là, c'est pareil, c'est la première que j'ai. Mais je trouve que c'est franchement bien fini. Je trouve que l'ensemble, la texture, les finitions, les assemblages, je trouve que c'est vraiment bien foutu. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Écran tactile, franchement, ça c'est top. Et du coup, on passe sur les côtés que j'ai un peu moins appréciés. Donc là, je remets l'écran, mais c'est par rapport à la langue, parce qu'il est exclusivement en anglais. Donc ça peut en freiner certains. Moi, je trouve que ça va. Parce que c'est vraiment juste des termes assez faciles. Mais voilà. Donc ouais, c'est vraiment une notion que je suis obligé de mettre du côté négatif. Et autre et dernier point négatif, je trouve que c'est le bruit des ventilos. C'est-à-dire que les ventilos font énormément de bruit. Alors moi, ça m'a pas du tout dérangé parce que l'imprimante 3D, je l'ai mise dans un coin dans mon atelier. Et dans mon atelier, c'est pas un endroit où je vis. Donc quand ça met 3 heures ou 2 heures à imprimer, honnêtement, ça me dérange pas parce que soit j'y suis pas, ou si j'y suis, c'est que je bricole et je fais autre chose. Donc j'ai vraiment des machines qui sont beaucoup plus brillantes que ça. Donc par contre, si vous avez, vous souhaitez mettre ça dans votre bureau ou dans le salon, enfin je ne sais pas trop où vous voulez le disposer, mais que vous n'allez pas le mettre dans votre garage ou dans votre atelier, ça va être une contrainte pour l'utilisation parce que forcément il va falloir l'utiliser au moment où vous n'avez pas forcément besoin de silence à la maison, quoi. Donc voilà, cette présentation est maintenant terminée. Personnellement, j'ai vraiment été très surpris de potentiel que l'on peut réaliser avec ce type d'objet. Donc franchement, si vous avez le budget et que vous avez envie de vous lancer depuis un certain temps, vous pouvez y aller sans problème. Franchement, c'est vraiment fun l'impression 3D, et je pense que je suis qu'au début, et quand je regarderai cette vidéo dans 5 ans, je pense qu'elle me fera bien rire, mais c'est vraiment top du top. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne continuation dans l'ensemble de vos projets, et à bientôt.